Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une vidéo. Alors là, vous avez bien compris que c'est un petit peu particulier, voire très très particulier. Vous avez vu que hier, je vous ai posté un petit message sur l'onglet communauté. Donc j'ai posté le message quand j'étais aux urgences. Donc vous voyez, je suis un petit peu balafré là. Là, j'ai une fracture de l'humérus. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. J'ai le bras qui est ensanglanté, vous le voyez encore. Voilà, je suis sorti de l'hôpital hier soir, enfin ce matin à minuit. Minuit des bananes. Donc voilà, j'ai eu tout simplement un accident de la voie publique, donc je me suis fait renverser par une voiture. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est pas forcément pour ça que je voulais faire ce petit point. C'est juste pour vous expliquer que par définition, et vous l'aurez bien compris, fracture de l'humérus, là j'ai eu en fait une sorte de grosse contusion mélangée avec une petite entorse, donc c'est un peu particulier. Donc je suis immobilisé quasiment, enfin je suis très peu maniable ou très peu mobile de la main gauche. Et alors la main droite, n'en parle pas, c'est encore pire. Donc voilà, c'est très compliqué pour moi. Évidemment, vous comprendrez que, comme je vous l'ai précisé, l'événement tirage au sort PlayStation 5 n'aura pas lieu. Enfin, il n'aura pas lieu cette semaine. Il aura lieu très certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après, dès que je serai en état de pouvoir retripoter un clavier. Parce que là, c'est compliqué. Je tapote avec le petit doigt pour tout vous dire sur mon clavier quand je vais écrire des trucs. Et sur mon téléphone, c'est pareil. Donc je suis un petit peu en souffrance, je ne vous le cache pas. Donc je suis vraiment très très abîmé, j'ai des brûlures un peu de partout sur tout le corps, bon voilà, je vous en passe. Bref, donc le live va s'arrêter, n'aura pas lieu, le live qui est une course spéciale que je vais mettre en place n'aura pas lieu non plus. Sachez par la même occasion que vous avez de la chance, entre guillemets, d'avoir des contenus, c'est ce que je vous avais annoncé à plusieurs reprises. J'ai continué à tourner en avance de phase, donc vous avez pas mal de contenus qui vont arriver sur Gran Turismo Sport et sur tout un tas d'autres choses. Gran Turismo, je crois que j'ai une sorte de pot d'avance jusqu'au 25 juillet, je crois, quelque chose comme ça. Donc vous avez de quoi avoir du contenu. Si tout va bien et que ça se dégoupille bien, peut-être qu'à partir du 25 juillet, je serai disponible, mais franchement, c'est très compliqué. A priori, temps d'immobilisation prescrit ou recommandé, c'est à peu près 2 mois. Donc évidemment, hors de question de faire des courses pendant ce laps de temps. J'ai une radio qui doit être effectuée le 10 juillet, le 10 juillet, avec un rendez-vous orthopédiste, etc. Bon, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais voilà, je voulais que vous sachiez un petit peu ce qu'il en était, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, donc merci déjà pour vous, tous vos messages de soutien. Les petites vannes, ça m'a fait beaucoup rire quand même, malgré tout, parce qu'hier, quand j'étais aux urgences en train de jongler, je jongle toujours, mais beaucoup moins, je dois avouer que ça me faisait un petit peu rigoler de voir vos messages. Donc voilà, vous avez bien compris. Des contenus, il y en a à l'avance, donc vous allez avoir du contenu quasiment sans non-stop jusqu'au à peu près 20-25 juillet, quelque chose comme ça. Après, les contenus, si jamais je suis toujours. Putain, je suis con, je viens de me rendre compte que je suis complètement bouffi, quoi, on dirait Quasimodo. Bref, les contenus que vous avez hors Gran Turismo, il y en a encore pas mal qui arrivent aussi, donc là, j'ai vraiment de quoi vous proposer du contenu encore pendant quelques temps. Mais forcément, à partir du 25 juillet, ben, la quantité de vidéos va diminuer sur la chaîne. Bon, ben, vous le comprenez évidemment, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais tenir à vous expliquer comment ça va se passer. Je croise les doigts pour que je me remette au plus vite. La radio va confirmer ou pas si il est nécessaire d'opérer. J'espère que ce n'est pas le cas, parce que si c'est opération, c'est encore plus long. Là, a priori, il n'y a pas de déplacement, donc ça sous-entend que potentiellement, ben, ça va se consolider tout seul, mais la radio le confirmera et l'orthopédiste me le confirmera aussi. Donc voilà les amis, petit événement vraiment voilà, un petit peu compliqué. Piétons, faites attention sur la route et conducteurs, soyez attention et attentifs aux piétons. Voilà, c'est très important. Donc moi je suis le piéton en l'occurrence, donc ça s'est mal passé pour moi, mais ça aurait pu être franchement pire. Voilà, honnêtement, ça c'est comme ça s'est passé. Je vais pas vous raconter le pendant des, mais ça aurait pu être franchement pire. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi, merci de votre compréhension, merci également de vos soutiens. Moi, en condition directe là, telle que vous voyez, vous allez plus me voir, vous allez voir que des vidéos différées. Peut-être que de temps en temps, je posterai sur Twitter ou sur l'onglet communauté de la chaîne si je peux, avec mon petit doigt qui est encore valide, taper de temps en temps. Mais sinon, voilà, ça s'arrêtera là pendant quelques temps en attendant que je me reconsolide tout ça. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Là, je le pousse, ça va être compliqué aussi. Mais je vous fais un grand coucou et un grand merci à toutes et à tous pour vos soutiens. Salut à tous.